D'une famille très pieuse et très très catholique. J'ai été surtout élevé religieusement par ma grand-mère maternelle, qui a eu une très 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 grosse influence dans ma vie. À un tel point, c'est que elle voulait que je devienne prêtre. J'ai même pensé avoir la vocation sacerdotale, mais je me suis rendu compte que c'était quelque chose de très 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 difficile. Et c'est pour ça que je n'y ai pas accédé aujourd'hui, mais j'aurais peut-être aimé, avec le temps, j'aurais peut-être aimé y parvenir, mais je sais que c'est quelque chose physiquement, intellectuellement, spirituellement d'extrêmement difficile, qui demande une très très longue préparation. Et puis aujourd'hui, en tant que sacristain, j'ai l'impression de, au moins partiellement, honorer ce qui aurait pu être une vocation pour moi. Il y aura certainement beaucoup de vent. Dans quelques instants après avoir allumé mes cierges, ils vont s'éteindre, mais ce sont les aléas de la liturgie dehors. Il y a un évangile à la bénédiction. Je vais être obligé de mettre ça au reposoir. D'accord. La toute communion et le bassin d'ablution. Je prépare mes burettes, qui ne sont pas nos burettes de première classe, mais depuis 1977, d'une façon quasi ininterrompue, j'ai évolué vers la fonction de sacristain à Saint-Martin-des-Gaules. Et bien entendu, c'est un apprentissage continu. C'est une fonction exaltante parce qu'on seconde complètement le prêtre. Et si j'ai pas une fonction sacramentelle proprement parlée, je suis complètement à l'ombre du prêtre et de toute sa fonction. La procession là-bas, et bien on rentre dans l'église comme ça, en fait, le tour. La dernière fois que vous mettiez pas très bien, tu dis. Dans les paniers. C'est des paniers ou pas? Non, non, c'est à même le. On rentre en chantant l'Odin et Jérusalem. Sinon, on reste. On est planté là, il faut attendre que la croix frappe. Sur
ceux-là, ce sont les jugements. T'arrives pas à l'enlever, la rouille, non? Non, mais je vais pas. Télé pas là sur nous, parce que vous allez les croiser. Ouais. Ils s'en servent aujourd'hui? Non, non. Mardi, j'avais un poids. Ceux-là, je les réserve pour les petits départs. J'ai toujours en permanence une quinzaine de petits et de grands servants. Olivier, tu vas marcher dessus, c'est ça ce qui est embêtant. Je fais j'ai pas alcoolique. Non, moi déjà. Pas de mouvement. Je commence à mettre les charbons pour le. Il est bien rouge là, non? J'aime beaucoup par exemple la semaine sainte où on peut exprimer toute la liturgie sous sa forme la plus belle. J'ai pas trop de problèmes de discipline, mais bien entendu, pour former un enfant de chœur, ça met parfois des années avant qu'il gravisse tous les échelons liturgiques. Je me fais aider par les plus grands servants qui connaissent bien la liturgie et souvent je leur demande de donner un petit cours dans une fonction bien précise. Dans ce sens-là. Marbum ramos et presta, ut quod populus tuus intui venerat celem odiernadie corporalite raci, hoc spiritualite suma devotione per... Je suis là depuis plus de 15 ans, depuis la consécration, et je suis un petit peu j'ai toute la mémoire de l'Église en tête, et c'est très très intéressant de comparer, de voir évoluer, de voir effectivement comment a évolué une telle Église en 15 ans, où au point de départ c'était un terrain vague, et comment on en est arrivé là aujourd'hui. C'est pas une très grosse paroisse comme Saint-Nicolas, c'est une toute petite paroisse et je l'exerce à côté d'une vie professionnelle
Et c'est pour quelqu'un qui n'a pas fait l'école des frères comme à Flavigny ou comme les autres sacristains, c'est quelque chose qui est... mes connaissances me suffisent amplement pour exercer cette fonction dans cette petite église. Proche d'amour sin pace.